Notre périple se poursuit, mesdames et messieurs, ici à Montréal. Et rencontre exclusive, évidemment, avec un monument de la culture guinéenne. Vous allez le voir avec Tidiane World Music que nous recevons maintenant pour ce témoignage exclusif. Ça fait 4 ans qu'il a quitté notre pays, la Guinée. Tidiane, merci de nous recevoir chez toi à Montréal. C'est moi qui suis content. Merci beaucoup. Parce que vous êtes dans la ville culturelle du Canada. Merci de nous recevoir ici, Tidiane. 4 ans, la Guinée ne te manque pas. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Tidiane? La mine, et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a donné des instructions de stopper une machine humaine, une machine de guerre, pour lui dire « stop, on doit te recycler, on doit te parfaire, on doit te restaurer, on doit te soigner. Ouais. » Quand le mal vous arrive, acceptez le mal. Ouais. Donc j'ai eu un accident et le 28 novembre, vers 20h, devant le portail de la RTG, et j'étais pressé pour aller à une rencontre au centre Prima. Mais toujours, je prépare un concert de Aya Nakamura. Donc, je vais m'arrêter à la RTG pour arriver à Mao, le commercial. Mais la mine, là où je te parle, entre Prima et la RTG, je n'ai aucun souvenir. Voilà. Donc, j'ai garé la voiture devant mon bureau. Parce que c'est pour garder le monde qui vient derrière moi. J'ai pris la moto. Il y avait deux motos. Mon agent responsable de la sécurité, mon assistante, trois téléphones. Donc, on vient, une autre moto arrive, pam. Mais là où je dis Dieu merci, sur le coup, pour les gens, j'étais mort. On m'a laissé là. Ils ont pris le téléphone. C'est incroyable. Et pourtant, il y avait du monde là. Mais je tiens ici à profiter aussi à dire merci à Eli Kamanou. Pourquoi? L'histoire pose des actes. Il m'a vu sur le goudron. Il passait. En fait, il ne savait pas que c'était moi. Il a garé la voiture. Il avait dit, mais attends, c'est le boss. Il m'a ramassé, il m'a déposé à Sino-Guinée. Bon, Sino-Guinée, ils ont commencé à me traiter, à coudre là. Mais pour les gens, il n'y a pas d'espoir. J'ai même un ami, je tiens à lui dire merci, Bouba. Il a dit à mon petit frère, voici l'argent. Si jamais ça ne décolle pas, voilà. Ouais, je vois. Voilà, je ne peux pas parler de ça maintenant. Ouais. 14h ou 18h de coma, Tidiane se réveille. Voilà. Donc, entre-temps, je fais 2 semaines à l'hôpital. Je sors, je tombe, paralysie, paralysie, paralysie. Et sauf que on doit faire attention. Il y a eu beaucoup de scans en Guinée. On me dit non, que le paralysie, c'est lié à un problème de sang qui vient de mon cœur. Donc, voilà, m'amène en Tunisie pour aller opérer mon cœur. Et pour... Non, entre-temps, ma famille, on décide. Non, non, Tidiane, tu es canadien, tu retournes au Canada. Ça a été, en tout cas, une bonne décision. J'arrive au Canada, la mine, le scan indique que si je ne suis pas opéré dans les 24 heures, même si on me perd, ce sera trop tard. Waouh! À ce point. Ouais. C'est, quand Dieu dit non, je vois, c'est non. Ressuscité en fait. Voilà, Et puis, attends, quand tu viens dans un hôpital, c'est un conseil que je donne. Tu viens dans un hôpital. Si un seul médecin vient, il faut dire bravo. Mais si le médecin vient avec un groupe, ta situation n'est pas bonne. Ils sont venus, ils m'ont dit, monsieur, on doit t'opérer demain, on doit te transférer en urgence. Sinon, tu vas être en niveau AVC. Il dit quoi ça? C'est quoi c'était ça? Il dit non, parce que tu as l'hémorragie de ta tête. Waouh! Et l'hémorragie comment? Bon, je me suis dit peut-être comme j'ai pris le vol, parce que l'avion à SN, j'étais paralysé. Exact. On m'a gardé à Paris 4 jours. Je descends ici, il y avait l'ambulance à l'aéroport qui m'a amené. Ok. Ok. Mais quand on m'a amené, écoutez bien la partie. La mine. Quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Je voulais te témoigner ça aujourd'hui. On m'amène, ils ne se sont pas occupés de moi ce jour. On me ramène à mon logement. J'étais au centre Bell. À l'étage, je cherchais comment retourner encore à l'urgence. Dans les propos téléphoniques, je vais donner ça aujourd'hui au téléphone. C'est la première fois que j'en parle. J'ai parlé avec une famille Keta. Mais la femme de M. Keta, Mme Maimouna Kaba, elle a dit à Maury, Tidiane est en train de parler, il y a un problème. Il est en train de changer. Ma parole devenait comme les langues ici, les autochtones. Il parlait plus soussou, plus malinqué. Elle dit, il y a un problème. Ils appellent l'ambulance. On vient me chercher.
C'est-à-dire que je commençais à être dégradé. Je vois. On m'amène maintenant, ce jour-là, c'est là qu'ils ont dit, on s'excuse. On ne sait pas qui t'a refusé le scan de l'aéroport. Ils ont fait le scan. J'ai été sauvé. Le lendemain, ils ont ouvert ma tête. Et ils ont mis des raccords pour vider ma tête. Waouh. Et c'est là comme ça que j'ai été sauvé. Ils ont dit, si jamais et on ne faisait pas aujourd'hui, tu partais à niveau AVC. Ouais. Et si on le fait aussi, tu es exposé à l'épilepsie. Je n'ai eu ni le premier cas, ni le deuxième cas. Donc, on m'a mis à l'exercice de pédaler. On m'a mis dans un centre de 3 mois. Et voilà, Lamine, en 3 ans, pour résumer en fait, en 3 ans ou demi de suivi, plusieurs centres, parce que quand on t'opère, c'est le cerveau, c'est oui, la tête. Forcément, ouais. Lamine, sur le suivi de 308 malades, je le dis avec, je pense que quand je le dis, je pleure. Ouais. Sur 308 malades du moment, nous étions 5 seulement à être retenus comme aptes. C'est-à-dire aptes à vivre. Je vois. C'est-à-dire aptes à fonctionner. Ouais. Qui ne sont pas condamnés à mort. Voilà, aptes à gérer. Ouais. J'ai dit quoi ? J'ai été retenu. On me dit, non, monsieur, on a même l'impression que tu es devenu plus intelligent qu'avant. Incroyable. Et parce que tout ce qu'on t'a mis en test, tu retiens tout, tu prononces tout. Ouais. Donc voilà en résumé. Mais Lamine, j'étais venu ici pour 1 mois. Ouais. 1 mois. Et les 1 mois, je croyais que je faisais 1 mois, je partais. Je ne pensais pas que j'allais faire 4 ans ici. Je vois. Ok. Sauf que, à cause de l'accident, je me suis retrouvé dans une situation de 12 autres maladies. Mon toutes Dieu. Graves. Ouais. Je Et vois. Tout a été surmonté. Je Donc, vois. En résumé, c'est pourquoi je dis que ce accident... Quelque malheur. C'était un pèlerinage pour moi. Je vois. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que Dieu a pu m'offrir. Waouh, vous entendez ça? Ouais. Tidiane World Music, entretien exclusif. Tidiane, on sait, tu es un acteur, on va dire, incontournable de la musique, de la culture guinéenne aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées chez nous. Aujourd'hui, c'est la transition en Guinée. Quelle lecture à distance as-tu fait de tout ça? Est-ce que c'était prévisible ce qui s'est passé chez nous en Guinée, en parlant du coup d'État? Parce que tu as fait des sorties, ou tu as prévenu, tu as dit beaucoup de choses, mon cher Tidiane. Il y a un moment, on se dit, mais est-ce que c'est pas prédicateur? Lamine, est-ce que... Je pense que le monde se trompe sur moi. Ouais. Peut-être pour 3 niveaux. Ouais. Au niveau académique, parce que je suis un sociologue qui fait une analyse de la société, mais au niveau aussi spirituel, les deux valeurs que j'ai sont cachées par ma valeur culturelle. Ok. C'est un gros souci. Lamine, que le monde m'excuse. Que le monde m'excuse, hein. Je ne voulais pas en parler. Je vois. J'étais très d'accord avec le fils d'Alpha Condé. Alpha Mohamed Condé. Ouais. En fait, il faisait de moi comme pour lui, j'étais le meilleur cadre guinéen. Je vois, un mentor. Un mentor. Presque, ouais. Il avait beaucoup de respect pour moi. Ouais. Je ne peux pas le mentir. Ouais. Et Alpha Condé, président, avait aussi beaucoup de respect pour moi. Ouais. En fait, chaque fois qu'il y avait une crise, il m'appelait, on s'asseyait. Une heure de temps. J'ai vu le mal venir. Ouais. J'ai vu une montagne où la boue qui venait ravager tout le monde. Toute la journée. Ouais. Mais le Guinéen pense que c'est un acteur culturel. Qu'est-ce qu'il a à voir dans ça? Ouais. Mais au moins, je témoigne. Ouais. Donc, Lamine, pour revenir sur le cas de la Guinée d'aujourd'hui, les situations que nous vivons, soyons clairs. Dans les différentes successions, nous sommes responsables. Ouais. Comment? Je donne juste un bref. C'est un sociologue qui parle. Ouais. C'est pas un acteur culturel qui parle. J'ai bien compris. Ce que les gens oublient, j'ai fait de très grandes études sociologiques et j'ai fait 8 ans aux Nations Unies. Donc j'ai fait toute la Guinée. À part le showbiz, à part la culture. Lamine, de toi à moi, si le président Lansana Conté, non, je vais sur Sékou Touré. Si le président Sékou Touré, à la fin de son régime, si les gens qui étaient là, s'ils étaient entendus, qu'on donnait le pouvoir, même transitoirement, à Béavogui, est-ce qu'on aurait entendu un coup d'État? Non, je te parle clair. C'est-à-dire que si ceux qui étaient là s'entendaient bien
pour la fin du... Le monsieur est mort tranquillement. Mm-hmm. S'il y avait une bonne compréhension, je vois, ouais. Il y avait dialogue, une entente. Ouais. Béavogui était là. Est-ce qu'on a entendu un coup d'État? Non. Ok, ça c'est un cas. Deuxième cas, tout le monde savait que Lassane Conté était malade. Tout le monde le savait. On l'amenait même en Suisse en avion pour le soigner. Qu'est-ce qui a manqué de nommer un président temporaire avec lui pour éviter ce qui est arrivé? Lance et Aboubakar Sompare, c'est mon tonton. Ouais. Grâce à lui, moi j'ai commencé le show business. Il était ambassadeur en France, il venait de rentrer, il voulait révolutionner nous qui étions les nouveaux étudiants. C'est lui qui a signé mon premier papier. Si lui, Lamine Sidimé, à la seconde que le président venait de mourir, le proclamait comme président officiellement, là, juste pour 90 jours par intérim, ouais. On aurait entendu Dadis? Non. Deuxième erreur de la Guinée. C'est deuxième cas. Laissons ça. Ouais. Revenons à l'étape de Dadis, qui, selon les explications qu'on vient d'entendre, c'est des accidents de parcours. En âme et conscience, Lamine, quel est le Guinéen qui n'a pas soutenu Dadis? Il n'y en a pas. Parce que c'était l'espoir, on a envie de dire. Non, je pose la question. Évidemment, bah oui. Avant de parler de moi, ouais. Quel est le Guinéen qui n'a pas soutenu Dadis? Ouais. J'étais ici au Canada, j'ai soutenu Dadis. Mais honnêtement, si Dadis n'avait pas pris le chemin à Bouloubiné d'aller demander à être votant, autre là, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Non, pas du tout. À ôter la tenue, on a vu cette tout ce image, qu'on entend après ouais. est venu après Bouloubiné. Ouais. Si Dadis avait continué à nettoyer le pays durant 2 ans, peut-être qu'on n'aurait même pas parlé de tout ce qui est arrivé après. Ouais. Troisième accident. Donc, voici, on se retrouve au quatrième accident. Le quatrième accident, c'est l'étape de le président Alpha Condé. En âme et conscience, je répète encore aujourd'hui, j'ai parlé au professeur Alpha Condé en tant que père. Je vois. Je me souviens de cette vidéo. Et je n'ai aucun regret. Qui était virale d'ailleurs. Et aujourd'hui, ouais. tous les gens de RPG, même ceux qui me soutenaient hier aujourd'hui, disent, monsieur, tu avais raison. Je me suis adressé à un papa qui croyait à ma vérité. Et je vais te donner un code secret aujourd'hui. Demandez à Alpha Condé. Lorsqu'il y a eu la crise des enseignants, Souma, demandez au président Alpha Condé. Je fus le dernier mot, c'est avec moi. Il m'a respecté. Il sait que je crie, ouais. je parle. Ouais. Parce qu'il sait que quand je m'énerve, je parle. Et il aime ça. Lui, même quand tu cries, mais si c'est la vérité, il m'appelle au téléphone. Je l'appelle au téléphone, papa. Je dis, si tu continues avec les enseignants d'ici 2 heures, tu as un coup d'État. Il dit, ah bon? Il dit oui. J'ai le témoin. J'ai le témoin. Il a changé d'avis. Le même jour, il a ordonné d'arrêter la grève. C'est la vérité qui aide quelqu'un. Ouais. Donc, quand j'ai vu l'étape de troisième mandat, j'ai dit, papa, tu as fait... Moi, j'étais à l'université. J'ai le bal des mois. Avec la grève, on dormait sur le même lit. J'ai le bal des. Ouais. Ce monsieur s'est battu pour toi. Je l'ai vu de mes yeux. Ouais. Moi, je n'ai jamais fait la politique. Mais lui, je l'ai vu faire. Il y avait un pamphlet qu'on venait distribuer à Poly, un pamphlet bleu. Les couleurs changeaient, on donnait ça aux étudiants. C'est les Yoro qui faisaient ça là-bas. Ça venait pour le RPG, ça venait de Paris. Depuis ce temps-là, tu t'es battu. Dieu ne donne pas le pouvoir. Les gens n'ont qu'à corriger le mot. Dieu, c'est lui le pouvoir, ouais. lui seul. Ouais. Quoi qu'on dise, hein, évidemment. Merci. Ouais. Dieu prête. Ouais. Donc, il a prêté. Ouais. Si tu abuses, il te retire. Ouais. Pour moi, depuis son enfance, sa famille lui aurait dit que tu veuilles ou non, tu seras président. C'est le destin. C'est l'étoile. Ouais. Tu l'as eu. Donc Dieu t'a donné le meilleur cadeau du monde. Il t'a fait 10 ans. Pour moi, il aurait fait le meilleur cadeau à Dieu. Dieu, c'est le retour. Ouais. Il te prête, tu le retournes. Il te grandit. Donc, pour moi, j'insiste encore. Et je ne regrette pas mon témoignage. Je ne le regrette pas. Parce que le monde entier aujourd'hui... Le plus important, c'était de prévenir. Voilà, me donne raison aujourd'hui. Ouais, ouais, je vois. Aujourd'hui, ouais. je dis, ouais. prends un autre candidat, ouais. faites la campagne, ouais. le régime reste. Ouais. Mais toi, tu quittes. Ouais.
aujourd'hui, il serait aujourd'hui comme Obama. Évidemment. C'est-à-dire qu'il serait encore mille fois plus respecté. Il aurait fait le tour du monde. L'eau est déjà versée, Tidiane. Voilà. Donc, si tu me demandes pour la situation d'aujourd'hui, pour finir la partie politique, Lamine, voilà ce que je demande au CRND. La joie que les Guinéens ont eue avec Dadis, j'ai eu l'impression qu'ils ont eu le triple le 5 septembre. Ouais. Soyons francs. Oui, c'est la vérité. Le colonel Mamadi, il est certainement président 42 ans. J'ai peut-être 13 ans de plus que lui. Mais il est mon grand frère, il est mon président. Mm-hmm. Dans le pouvoir de chez nous, quand tu as le pouvoir, tu es le chef. Mm. Et puis, il est encore l'homonyme à un papa. Donc, je sais à qui je m'adresse. Mm-hmm. J'ai un ami, une famille Doumbouya, avec qui j'ai grandi, son homonyme direct. Donc, je le connais. Mm-hmm. Je connais comme ça. Il a la meilleure transition possible. Écoutez-moi très bien. Mm-hmm. Je suis né en Guinée, grandi en Guinée. Mes parents sont le patriarche de Conakry. Il a la meilleure transition possible. Bien. La seule chose que je lui demande, quand je fais mon analyse globale, il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Ouais. Et comment faire, justement? C'est mon premier conseil. Ouais. Comment faire aujourd'hui, Tidiane? Parce que ce qu'il doit faire, Ce qu'il doit faire, il doit réconcilier le pays, ressouder, mettre de l'ordre. Le travail paye toujours. C'est moi qui m'adresse à lui. Quand tu fais un bon travail, tu changes les anciennes habitudes. En 2 ans, à n'importe quel moment que tu fais, tu as mis le paquet. Ouais. Les réformes. Les réformes. Ouais. Mais si tu dis tu vas résoudre tous les anciens problèmes de ces gars dans 100 ans, ça t'attrape. Je suis d'accord. Tu deviens victime. Ouais. Moi, c'est le seul conseil que je lui donne. Bien. Sinon, ça c'est un. Deuxième conseil, notre pays a connu trop de violence. Qu'on s'éloigne de la violence. Ouais. Lamine, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire ont connu la guerre. La Guinée n'a pas connu la guerre. Mais la Guinée a connu la violence humaine. Pire que les autres. Je vois. La violence politique. Voilà, la violence politique. Ouais. Donc, je veux lui dire, ce côté-là, de civiliser le pays pour ça. Bien. Deux. Troisièmement, je lui dis, de ramener l'autorité en commis de l'État. Tu peux ne pas aimer le régime de Sékou Touré. Mais son régime, le commis de l'État était un commis de l'État. Mm-hmm. Le citoyen était le citoyen. Ouais. Mais après lui, maintenant, le commis de l'État est devenu un boss. Je vois. Un patron, une entreprise. Ouais. Donc que les dirigeants deviennent nos employés. Mm-hmm. Que le statut change. Donc moi je lui demande, s'il vous plaît, vous avez bien commencé. De mettre les bases. Voilà. Non, il a bien commencé. Ouais. Qu'il retourne là. Ok. Il retourne là où il a commencé. Ouais. Je te le jure. Là où il a commencé. S'il retourne là, il va ressouder. Les fondamentaux. Les fondamentaux. Voilà. Tidiane World Music, notre invité, mesdames et messieurs, dans notre émission, évidemment. Témoignage exclusif. On va parler culture, Tidiane. Merci. En 40 ans, carrément, combien de spectacles en Guinée. On voit les chiffres, on voit le nombre d'exploits que vous avez fait sur le pays. C'est juste incroyable. À se dire, tout ça pour la Guinée. Et Lamine. On se dit... Je vais donner de confidence aujourd'hui qui va me surprendre. Ok. Je ne sais pas à quel moment l'émission va passer. Le 11 décembre 2022, j'aurai 55 ans de vie. Depuis l'âge de 20 ans, à part un mois que j'ai passé dans un hôpital à cause du cancer de Ibro Diabaté à la Nana, qui m'a cassé, je me suis donné assez à fond, à part les 4 ans là, j'ai passé ma vie partout, au Canada, en Angola, au service de cet art. Mmh. Mais je vais te dire quelque chose qui va te bouleverser. En 35 ans, je n'ai pas eu 1 million de francs guinéens.
Comment est-ce possible, Tidiane? Parce que quand on fait des spectacles, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour gagner sa vie. Tu sais que tu es perfectionniste, tu... Allez, quand c'est pas bon, ben non, je sais, parce que il y a souvent des choses... Cette réponse, Dieu va te la donner bientôt. Ah oui, à ce point-là? Non, Tidiane. Ok, je reviens en arrière. Beaucoup de nouvelles générations ne savent pas qui est Tidiane. Tu connais Consti Eka? Oui. Je suis de la même génération, malgré mon âge. Tu connais Duarte Florentin? Mm-hmm. Ça, c'est les compagnies Marlboro Maurice. Il n'y a aucune région en Guinée où je n'ai pas produit. Ok. Lamine, je te résume. J'ai commencé avec 2000 francs guinéens. À l'époque, 1 dollar égale 500. 2000 francs guinéens. 2000 francs guinéens. Ouais. Ça faisait 4 dollars. C'est mon capital. Et c'est ma mère qui me l'a donné. Aujourd'hui, je suis à plus de 9 millions de dollars américains de chiffre d'affaires. Je produis le méga concert depuis 35 ans. Et gars, je suis là depuis 4 ans. Combien de concerts j'ai fait en Guinée? 9. Ouais. Sans être là. Évidemment. Les 9 là seulement ont coûté près de 10 milliards. Ouais. Je ne suis pas là-bas. 10 milliards, bah, 1 million de francs, enfin 1 million d'euros, j'ai envie de dire. Ouais. En fait, mes activités, ouais. la façon comment dont on peut être perfectionniste à ce point-là, voilà, la façon dont ils sont professionnels, ouais. Ils sont au-dessus de la Guinée. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Lamine? En même temps qu'il fait la sociologie, il fait l'économie. La monnaie, quand je commençais, 1 dollar était à 500. Au fur et à mesure, je monte, pour arriver à 35 ans, cette monnaie était à 10 000. Tu ne peux jamais gagner. Ouais, je vois. Parce que l'autre côté monte, l'autre descend. Voici la science. L'inflation. Donc l'inflation, la Guinée a connu, ouais, de 86 jusqu'à maintenant de 500 francs. Ouais. Un autre souvenir. Ton réalisateur, son oncle, et Georges. Non, son grand Roland. Frère. Non, oh. le premier. Ok. Bebel, le premier. Il avait un cabinet qui s'appelait Guinée Service. La première fois que je lance le showbiz, c'est avec les 2000 francs. Je suis allé acheter 4 courriers. Je vais dire ça aux jeunes, mm-hmm, qui écoutent tes émissions, que lorsque tu es brave, tu aboutis. Ouais. Mais sauf que nous, à l'époque, on avait un tag. On avait assez d'entreprises. Oui, qui venaient pour le sponsoring. D'accord. Ça, okay, marchait. Ouais. Donc, on n'avait pas de problème. Ouais. Ok. Donc, Lamine, en 35 ans, j'ai produit combien de concerts, méga concerts? Ah, c'est énorme. Et c'est énorme. Ouais. Et en 35 ans, plus de 9 millions de dollars vrais. Ouais. Ok. Et tu sais qu'en déficit, c'est 35 ans, il faut que je te souffle ça, en déficit, 25 milliards. Waouh. 2 millions. C'est paradoxal, hein? Ben ouais. Lamine. Je vois. En 35 ans. Je vois, c'est paradoxal. Vous avez vu que je l'ai fait avec passion. Je l'ai fait avec l'amour. Mais tout ce que toi et moi on se dit là, bientôt, Dieu me donnera le pouvoir de venir l'expliquer, de venir le montrer, mm-hmm, à la nouvelle génération. Bien. Ça, c'est une autre étape, Tidiane World Music. Voilà. On va essayer de continuer parce que, oui, avec tous ces méga concerts au, oui, pays, mettre les artistes guinéens en valeur, souvent même d'autres qui crachent dessus. C'est clair. À la fin, ouais, on n'est pas dessus, on se dit, mais. Tidiane, en même temps, il y a des moments où on se dit, mais c'est lui l'homme qu'il faut au niveau de la culture et tout ce qu'il y a autour. Oui. À la fin, et... on ne comprend pas. Merci. On donne tout au pays, même si on n'attend rien au retour, mais il y a un moment où on est forcément découragé. Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui fait que Tidiane ne raccroche pas à la fin? Dieu. Dieu. Je n'ai pas la même façon de voir le monde que les autres. C'est ce qui me différencie des autres. J'ai une vision. Et je sais que je vais aboutir. J'ai jamais couru derrière un poste autre là, sinon j'ai mais fait... Mais pourquoi tu ne... Enfin... Non, attends, ouais, ça vient. Ne forcez pas les choses. Ouais. Le destin, fais ton job, fais ta part. N'impose pas le destin. Je vois. Laisse le destin se faire. Ouais. Lamine, j'ai bossé 8 ans pour faire toute la Guinée pour les Nations Unies. Ouais. Donc, laisse faire. Pour revenir sur ta question, Lamine,
le pays Guinée a conçu une culture, le monde artistique, avec une mentalité, un système le plus ingrat de la planète. C'est dommage. Ouais. J'ai vu ça, c'est pourquoi, dans ce recul-là, j'ai dit, c'est pas leur faute. Ils sont victimes des conséquences collatérales de la nation guinéenne. La succession, on oublie les autres. Ouais. On reviendra sur ça tout de suite là. Pourquoi j'ai créé le projet. Ouais. Parce que j'ai compris que il n'y a pas de traces. Ouais. On ne sait pas qui est la mine. Ouais. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que j'ai fait. Si tu sais le volume que j'ai fait ici, ils n'en savent pas. Donc le pays est sans traces. Ce qui fait que... Il n'y a pas de mémoire. Ouais. Donc l'ingratitude est devenue comme un comportement sans le vouloir. Ouais. Donc, la normale est devenue une norme. Énorme. Okay. Voilà. Donc comprenons bien les gens. Ouais. Ils se prennent à toi, ils se comparent à toi, alors qu'ils ne savent même pas ce que tu fais comme bagage. Ça, c'est un. De deux, pour revenir sur ta question, je vais donner un témoignage aujourd'hui. Quel est le Guinéen ou l'Africain qui n'a pas vu des enfants qu'on appelle chinois en Côte d'Ivoire? Je te ramène en arrière. As-tu vu le stade au Feu Boigny rempli de jeunes qu'on appelle chinois? Je te donne juste sur la traduction de ce qu'on appelle gratitude, reconnaissance. DJ Arafat est mort. Ouais. As-tu vu les enfants, comment ils se démobilisaient? Ouais. C'était un retour à l'ascenseur. Exact. C'est ça la nouvelle culture qu'il faut. Quand les gens se battent pour vous, un artiste est un artiste. Il n'est pas parfait. Mais les enfants l'ont montré et cela m'a frappé. Cette culture manque en Guinée. Lamine, on est là aujourd'hui. T'imagines un peu que la plus grande importance d'un individu, c'est ton travail. Un homme comme moi, Tidjane World Music, il se bat depuis 35 ans pour vous donner du travail. Ils savent que quand on finit, j'ai jamais gagné. Parce que j'en donne trop. Regardez, je te donne un exemple. MHD. Il est venu pour une première fois. Mais pour respect pour moi, on aurait fait une seconde fois. Mais Lamine, qui va vendre un concert à 2 euros et gagner? Ça, le concert était à 2 euros. Ouais. 20 000 francs guinéens. Ouais. Or, le concert coûtait en euros. On a vendu 65 000 tickets avec bracelet. Comptez. Ouais. Zéro. C'est-à-dire que le stade est plein, le montant correspond aux charges. La monnaie était faible. En fait, je vais faire ton émission aujourd'hui. Les concerts de Tidjane à la Guinée, c'est des subventions gratuites. Je vois. Voilà, en fait, c'est économique. Je vois. Non, mais j'ai bien compris, Tidjane. Voilà, ouais. Mais quand un journaliste culturel vient, il voit le monde rempli, Et pense que tu as gagné. Non, on fait plaisir. J'ai bien compris. Mais aujourd'hui, j'ai fini le passé. J'ai vu le marché, j'ai vu le monde. C'est un autre Tidjane qui vient. Et retiens une seule chose, Lamine. Voilà 4 ans que je suis là. Tu peux imaginer combien d'artistes dans le monde j'ai fait voyager, ou ici, ou en Guinée. Aujourd'hui, je suis content de te voir. D'abord, un, en frère à la maison, et de deux, en travail, tout. Mais tu peux imaginer que Marcus, je tiens à le dire ici. De Balézard. Balézard. Je suis l'un des premiers à les inviter ici. Ouais. De Force Street, Balézard, ma lettre. J'ai invité moi-même plus de 40 groupes guinéens ici à l'ambassade. J'ai ma crédibilité au Canada. Ces gens-là, ils font le tour du monde. Ils sont venus ici. Le seul qui a pris le temps, il a pris Abdou, pour venir, Abdou pour l'accompagner. Ils sont allés me voir. J'étais en transit au centre-ville, dans mon logement. Il allait me saluer. Et tu peux imaginer, depuis 4 ans, j'étais je là vois. Avec mes roues, je vois. Avec mes trucs. Il faut que les gens créent un sentiment de solidarité. Je vois. En même temps que l'humanisme revienne finalement à la fin du compte dans ce qu'on fait. Donc quand tu poses la question sur ça, moi je continue à le faire. Mais Dieu m'a dit, tu as fait un accident, je te ramène au monde. Retourne aux autres le bon. Ne les retourne pas le mal. Ceux qui t'ont fait du mal, retourne le bon. Ceux qui t'ont fait du bien, retourne plus le bien. Ne paye pas pour toi. Belle conclusion, évidemment, Tidjane World Music. Voilà. En 35 ans, quel est le concert qui t'a marqué? Tu parlais tout à l'heure de la dédicace à la Nana de Ibro Diabaté, évidemment, un album mythique qui est toujours d'actualité. Quand on le met, on dirait que c'était fait hier. À la fin, mélomane, producteur, connaisseur, sociologue, évidemment,
En 35 ans de carrière, c'est tous ces événements-là, quel est l'événement qui t'a plus marqué, Tidiane World Music? On a envie de savoir ce soir. Ah. J'alignerai trois. Ouais. Et je vous laisserai décider. Ok. Au niveau local, je dirais le concert de Alanana, pourquoi? Ouais. Madame Rougui Baldé a dit que l'homme spécialiste qui peut faire cette Tidiane. Elle m'appelle, elle me remet 24 millions cash. Ma tête a un cerveau malade, je retiens tout. Je peux même t'indiquer même les billets qu'on me donne. Elle ouvre le coffre, elle me donne 24 millions. 24 millions en 93, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Il y avait une dame malienne, Yamé, qui était à côté. Et Justin Morel Junior était là. Sidi Diabaté était là. Elle me dit, fais-moi un grand événement. Mais les 24 millions, c'est la production locale. Elle supportait les vedettes qui venaient d'ailleurs. Tata Bambo, Baba Mal, Omar Penn, Kanya Kouyaté, tout ce que tu peux imaginer. Elle fait venir un conteneur du Canada de 28 millions, ça coûtait. C'était la première fois dans l'histoire de la Guinée. Un conteneur avec des posters grandeur nature, comme des films, ouais. Plus des cassettes produites ici. Mm-hmm. Elle amène ça. Donc on a fait un événement à 13h, le palais était plein, pour un concert à 21h. Je me suis mis corps et âme dedans, ce concert. Et c'est à ce moment que la première fois j'ai réuni les trois, ABD, Jeannot et Issa. Donc, c'est la première fois que l'esprit dédicace d'envergure exact. À ce niveau ouais. naisse dans une salle. Ouais. Puisqu'avant, le seul artiste qui le faisait, c'était Bambino ouais. avec Super Sélection. Exact, ouais. Et il le faisait au bord de l'hôtel L'Unité. Exact, ouais. Qui est aujourd'hui Rivière. Je retiens ouais. tout. Hein. Qu'à ce moment, l'album. C'était le seul qui faisait au bord de ouais. la piscine. Ouais. Fini. Mais concert commercial, cassette contre ticket, c'était la première fois. Et je suis fier d'avoir initié le projet tel qu'il était. Et aujourd'hui, tout le monde en profite aujourd'hui. Évidemment. Donc c'est un bon souvenir. Côté local. Côté africain. Ce que je vais te dire va te surprendre. Le président Paul Biya, il fête son anniversaire le 6 novembre, non? Ouais. Dans les années 1994, Tidiane Soma se trouve au bord de Air Afrique, sponsorisé par Air Afrique, avec le chef d'agence, Maître Diarra, tonton Denou. Je retiens tout le monde. J'ai un cerveau qui n'oublie personne. Je prends l'avion pour aller chercher Jean M. Cancan. Wow. Du côté du Cameroun? Au Cameroun. Ouais. Lamine, une longue histoire. J'ai payé l'argent avec moi pour venir payer le groupe. On me fait croire que Jean M. Cancan était un boss, c'était un milliardaire. Ce qui n'était pas vrai. Ouais. C'est un comédien simple. Le gars est en tournée à Bitam, Oyem, dans les villages entre le Gabon et le Cameroun. Et à cette frontière, il y a un centre français, mm-hmm. des militaires français. Ouais. Ils sont là-bas. Moi, je suis guinéen. J'ai le visa camerounais. Je n'ai pas le visa gabonais. Mais j'ai promis aux Guinéens d'amener Jean-M. Cancan. Il est où? Pourquoi quand tu me demandes souvenir, mm-hmm. je retiens tout. Ouais. Ok. On me demande d'aller à la frontière. Je prends un des membres du groupe Michel, on prend une voiture Sierra à l'époque, on appelle Sierra. Et ce jour-là, pour souvenir, c'était le jour de la sortie de l'album Oxygène de Petit Pays. Ouais. C'est... Adolphe Claude Mondi. Merci, je retiens tout. Ouais. Le jour de la sortie de l'album. Lamine, j'arrive à la frontière, on me met en garde à vue. C'est là, on m'arrête. On laisse les autres traverser, aller chez l'artiste. Quand les gens qui sont là-bas, dans les maquis, là, ont appris que un promoteur guinéen est venu chercher avec les flyers, ils ont pris le gars en otage. Ils l'ont blessé, ils l'ont mis des couteaux sur lui. 7 coups de couteau. Incroyable. 7 coups de couteau. Aujourd'hui, je donne un secret aujourd'hui aux gens. C'est moi qui ai sauvé Jean-M. Cancan. Ils l'ont ramassé là-bas à la frontière. Gabonaise, il amène au niveau des rivières. Il y a une petite rivière mm-hmm. entre les deux pays. On le ramène,
je lui donne à la clinique française. Tout mon argent est parti là-bas pour le sauver. On vient à Yaoundé. On vient à Yaoundé. Moi, j'habitais à Hilton. On vient dans notre petit hôtel maintenant, on change. Parce que là, ça commence à être trop. Le gouvernement du Cameroun, le président Paul Biya, a besoin de lui pour aller fêter son anniversaire. Waouh! Tu comprends ce que j'ai vécu? Je vois, oui. Le choix, c'était compliqué. En même temps, cette agression... Je ne veux jamais oublier jamais ouais. ce cancan. Bien. Il dit au gouvernement du Cameroun, cet homme-là est guinéen. Ouais. Il m'a sauvé la vie. Je n'irai pas à la cérémonie du président. Ouais. J'irai avec lui. Il est mort aujourd'hui. J'ai témoigné derrière un homme qui est mort. Ouais. Mais je lui suis reconnaissant. Ouais. Il m'a suivi. On a traversé, ça fait 250 km entre Yaoundé et... Douala. Mm-hmm. On allait prendre l'aéroport. Maintenant, je te donne un dernier scoop. Si c'était aujourd'hui, on m'aurait mis en prison. On arrive à Douala. Les femmes sont là, tout le monde est là, on va prendre l'avion. Deux des membres du groupe ne sont pas prêts. Ils ont pris un bus, une voiture que j'ai louée à eux. Mm-hmm. Ils ont... On arrive, ils ne sont pas là. Moi, je ne veux pas que l'avion bouge. Waouh. J'ai promis aux gens en Guinée que j'amène le groupe. Ouais. Lamine, regarde. Hein. Je mets un pied dans l'avion. Air Afrique. Je mets un pied dehors. Pourquoi qu'on ferme la porte? Ouais. Ils ont dit, mais t'es fou? J'ai dit, c'est une question de vie ou de mort. J'ai un concert en Guinée. L'avion est plein de Nigérians, de Togolais. Le vol faisait comme ça. Ils partaient au Togo, Bénin, avant la Guinée. L'avion est rempli. Je bloque l'avion. Imagine d'assister aujourd'hui. On m'aurait mis en prison. Bah ouais. Ok. Les femmes se sont levées et m'ont soutenu dans l'avion. Je ne vais jamais oublier ça. Les femmes commerçantes. Ouais. Ce jeune l'entendent vraiment se battre. Les militaires sont venus maintenant pour venir nous chercher. Ils ont dit, si vous les descendez, on descend. Si vous les descendez, ils m'ont soutenu, ils ont fermé la porte. J'aime ce que quelqu'un m'a dit. Laisse tomber les deux acteurs. Allons en Guinée. Pourquoi je dis c'est un souvenir? Arrivé en Guinée, le show busy à tout dedans. Ce secret-là, je ne l'ai jamais dit depuis 1994. Je vois. C'est une exclusivité aujourd'hui. Pour... Évidemment. C'est ça aussi témoignage. Lamine, on vient à l'aéroport. On vient à l'aéroport. Ouais. On est à Abidjan, en escale. J'appelle la Guinée pour dire de préparer l'ambulance, tout, qu'on a quelqu'un qui risque de mourir. Mais nous, on l'a badigeonné comme si c'est un acteur, comme si c'est le show. On ne veut pas qu'il sache qu'il est malade. Ouais. On l'a décoré. On descend à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, les Camerounais sont venus pour nous recevoir, pour nous accueillir. Je suis sorti, j'ai regardé deux grands gaillards là-bas. J'allais les chercher, il dit, bon, à partir de la minute, vous êtes dans le groupe. Il dit, à partir de la minute, c'est du théâtre. Vous venez, vous rentrez dans le groupe. Parce qu'on ne peut plus prendre les Guinéens. Vous avez l'accent camerounais, il les a ramassés. Ils sont rentrés dans le groupe. Donc, on est sorti pour se présenter aux médias, pour dire que le groupe est là au complet. Lamine, on est allé à l'hôtel. Ils ont répété toute la nuit. Ils ont fait le meilleur spectacle africain. Avec Finn, la cigarette Finn, le spectacle était débordé. Et c'est pas que du showbiz, c'est l'art, c'est la tête. Bien sûr, c'est l'art. Donc, c'est mon souvenir africain. Ouais. Souvenir récent, depuis mon retour, dans les 10 ans là, le plus gros show que la Guinée ait connu, c'est Vivendi. Ouais, ouais, c'est vrai. Avec Canal Plus, Bolloré. Ça coûtait 1 million d'euros. Ouais. Énorme. J'explique ça aux gens aujourd'hui. Ouais. Le spectacle coûte cher. Ouais. Ce concert a coûté 1 million d'euros. Vous savez pourquoi? Lamine, ce qui est à toi est à toi. Ouais. Les gens ont fomenté des coups à Conakry, au bureau de Bolloré. Du mois de février jusqu'au mois d'août, ils ont fomenté qu'ils ne me donnent pas le contrat à moi. Je donne aujourd'hui le secret là aujourd'hui. Dans la vie, quand quelque chose se passe, il faut le dire. Ouais. Ce que je te dis maintenant, c'est un secret. Ils ont fait des coups pour ternir mon nom, mon image, mettre sur moi ce que je ne suis pas. Les gens voulaient me retirer, je ne suis même pas au courant. Moi, je viens à Dakar. KPC avait financé un concert au palais à Dakar. C'est moi qui ai fait le concert. Je reviens, c'était le 8 ou le 9 août 2015, Lamine. Je descends. Je reçois un coup de fil. Le fils du président,
écoutez-moi très bien. Mm-hmm. C'est fini là, c'est plus le secret. Ouais. Ils sont dans l'avion. Mm. Ils quittent le Niger pour aller en Europe. Le patron de Bolloré, mm-hmm. Vincent Bolloré, mm. est là, Alpha Condé est là. La question se pose, mais qui fait le concert de la Guinée? Mm-hmm. Le concert qu'on a offert pour Ebola. Ouais, Vivendi. Ils ont dit, ah non, mais il paraît que c'est des promoteurs là-bas. Je ne vais jamais oublier ça. Le vice-président a dit, non, 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 en Guinée, il y a quotidien, c'est ouais. le meilleur. Ouais. Quand un tel événement d'envergure, le président a dit, moi, je ne me mêle pas dedans, je ne me connais pas dans ça, c'est lui qui connaît. Le président. Il dit, je ne me mêle pas dedans, ouais. je ne me connais pas, mais mon fils connaît les meilleurs. Ouais. Il dit, non, moi, celui que je connais, c'est Tidjane. Ouais. Donc, il communique mon numéro à Universal France. Écoutez-moi très bien. Mm-hmm. Il communique mon numéro au conseiller principal de Vincent Bolloré. Donc, je n'ai pas cherché le marché. Je vois. Je ne suis même pas au courant. Je vois. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ouais. On m'appelle, je descends de l'avion, on me donne Vivendi. Voilà l'histoire. Et j'ai fait, Lamine, j'ai fait 45 jours sans dormir. Question de défi. Je vois. Parce qu'on te fait confiance. C'est ça. Lamine, j'ai changé le palais. Oh ben, on a vu les images. Hein. J'ai mis un paquet de fous, de malades. Et c'est en direct. J'ai pas regardé l'argent. J'ai regardé l'image de la Guinée. Je vois. On te fixe, on dit c'est toi. Ouais. Quoi qu'il arrive. Et pourquoi c'était 1 million ? Non. Moi, j'avais un budget de 245 000. Abidjan avait un budget de plus de 150 000. Chaque parti avait son budget. Ouais. Et qu'on était dedans. Et qu'on était dedans, Whisky, tout le monde était dedans. Oui. Whisky a eu son avion. Mm. Tout le monde. En fait, c'était un gros événement pour l'image du pays. Mm-hmm. Les gens ne comprennent pas, c'est vrai que l'argent. Ouais. Donc, si tu me parles, dans les 35 ans, voilà les trois les événements entre autres. Ouais. Il y en a eu beaucoup, ouais. mais les trois quand même. Voilà. Tidjane World Music, voilà. Mesdames, c'est témoignage exclusif ce soir sur Espace TV. Tidjane, eh ben, nous sommes à la fin de l'année, hein. Ouais. 2023 s'annonce. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Tidjane en Guinée et sous quel format? Pour le bonheur de ces millions de téléspectateurs qui te regardent sur ta chaîne Espace TV. J'ai dit tout de suite que voir Lamine aujourd'hui ici, après, avant la création de Espace, pour moi, est spirituel. Dieu a son plan. Ouais, toujours. Lamine, sauf si. Mes émotions divines me trompent. Mais je pense que l'année 2003 sera... 2023. 2023 sera pour moi la meilleure année de départ de ma vie. Inch'Allah. Je viens de loin. Ouais. Lamine, je pense que j'ai traversé les épreuves. Ouais. J'ai tout vu. Je vois. Lamine, j'ai tout vu. J'ai compris une seule chose. Que toutes les personnes auxquelles j'ai aimé, ou j'ai donné du sang bon, c'est revenu en mauvais. Ouais. Mais Dieu m'a dit, tu dois faire toujours plus. Si tu fais mal comme Lamine, tu as échoué chez Dieu. Ouais. Si tu copies Lamine dans le bon, tu es le plus bon. Ouais. Mais si tu copies Lamine dans le mauvais, tu es mauvais. Lamine, je vais donner une promesse à cette émission. Mm-hmm. En 35 ans de carrière, j'ai déclaré que 2023 sera le plus gros événement de ma carrière. Pourquoi? Mm. Quand j'ai mis Mami Wata Celebration, mm-hmm. les gens ont mal compris. Ils ont compris, mais ils ne savent pas pourquoi j'ai dit ça. Mm-hmm. Mami Wata, chez les Haïtiens, on dit sirène. Chez nous, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on dit la moitié du poisson, la moitié femme. C'est toujours quelque chose qui est cachette. Ça fait 6 siècles. Mm. Qu'on parle de Mami Wata, ça veut dire quoi? Ce qui est caché sous l'eau. En fait, moi je suis l'eau. C'est important de le savoir. Mm-hmm. Donc Mami Wata pour moi est ce qui est caché qui sort. Donc comment ce pays Guinée qui a 65 ans, j'ai mis la politique de côté, j'ai mis la justice de côté, j'ai mis les forces militaires de côté. Mm-hmm. J'ai éliminé les trois. J'ai pris sept sections, Lamine Guirassy, les plus importantes qui ont créé ce qu'on appelle le vivre ensemble. Sans ça, ce pays aurait connu la guerre, Lamine.
Je profite aujourd'hui de ton passage pour m'expliquer très bien pourquoi j'ai pris ça. Mami Wata, pour moi, c'est sortir les autres, les montrer. Ouais. Un, le monde culturel. Porter les gens. Ouais. Le monde culturel, Lamine. Quand tu dis en Guinéen culture, ils pensent que c'est chanter ou bien danser. Ouais. Ils ne savent pas qu'un peintre, c'est la culture. Ils ne savent pas qu'un dessinateur, c'est la culture. Ouais. Donc, tous ces gens-là sont morts, on ne les connaît pas. Ouais. Les parents sont assis, ils disent que qu'est-ce que mon fils a fait. Donc, moi, j'ai décidé de faire une recherche, une identification de tout Guinéen qui est mort dans la culture. Que tu sois acteur culturel, que tu sois n'importe quel domaine, jusqu'à l'écrivain, tout le monde, des 105 dernières années, qui sont morts, décédés, identifiés, mis dans une glace. C'est-à-dire qu'on va mettre un panneau digital. Lamine était qui ? Il faisait quoi ? On met sa photo. Devoir de mémoire. Si on ne connaît pas ça, ouais. L'avenir sera grave, Lamine. Bien. J'ai bien compris, Digan. Ça, c'est le cas de côté culture. Ouais. Deuxième cas, c'est le côté médiatique. Ouais. Voilà ce que j'ai choisi. J'ai pris les 50 premières années de la Guinée. Pourquoi ? Tu peux dire aujourd'hui, ah, les gens de la RTG, ceux qui disent là, c'est de la démagogie, autre là. Sans cette démagogie-là, la Guinée serait en guerre. Mmh, c'est vrai. Soyons clairs. Ce pays n'a pas connu la guerre parce que d'autres ont pris le chemin de mentir pour qu'on se tue pas entre nous. Dieu dit, si tu dois mentir pour qu'on se tue pas, ça vaut mieux. Faut pas mentir, mettre les gens ensemble. Donc pour moi, les 50 premières années, de 28 septembre 58 au 28 septembre 2008, j'ai stoppé 2008, pourquoi ? Parce que quand tu dépasses ça, tu rentres dans la chaîne des privés, c'est trop. Ça ne rentre pas dans la ligne. Pour moi, la première édition, j'ai préféré faire les 50 premières années. Ça veut dire quoi ? Tout journaliste travailleur de la RTG, tout journaliste travailleur de l'AGP, de Journal Coréa, de la Radio Rurale, c'est les premiers d'abord avant vous. Si eux, on ne les grandit pas, qui va vous grandir vous demain ? C'est vrai. Belle réflexion. En tout cas, félicitations, Tijan. Donc, eux, c'est les morts et les vivants des 50 premières années. Je vois. Deuxième, le sport. Le sport, j'ai préféré me limiter au football. Pourquoi ? C'est le Sili et l'ancien Rafia, Rafia 77, qui ont uni les Guinéens durant les 65 ans. Donc, j'ai décidé de les identifier, de les repérer, morts ou vivants. Chercher les familles. Ouais. Donc, les trois catégories-là, pour moi, le vivre ensemble, c'est les trois qui ont fait en Guinée. Les quatre autres catégories, c'est quoi ? C'est la religion. Ah, Lamine. Est-ce que le Guinéen peut s'en passer de la religion ? Non. Les mosquées, les chrétiens et les musulmans. J'ai décidé de faire une identification de tous les imams de la Guinée dans les 65 dernières années, morts ou vivants. Des grands imams. Eux, on va le réunir. Ensemble, pour une fois. Ouais. C'est 7 jours. Hein. Le gars, c'est 7 jours. Chaque jour. Lamine, je te dis que ça va dépasser le monde. Bien. L'événement à retenir en 2023. Voilà. Maintenant, attends, je résume. Ouais. Les deux autres, c'est l'enseignement. Waouh. Waouh. L'autre, c'est la santé. Ouais. L'autre, c'est les femmes. Voilà les 7 que j'ai repérés. Pour moi, sans ces 7-là, la Guinée serait en guerre. Ouais. Avec les déclinaisons, évidemment. Déclinaisons. Donc, il y a 7 jours. Ouais. Mais ce sera tellement riche que ça va dépasser les bornes. Je vois. Donc, Lamine, moi, ce voyage-là pour moi, ce passage-là pour moi, c'est comme un pèlerinage pour moi. Je voulais profiter de toi pour dire merci à la Guinée. La Guinée m'a donné 55 ans de vie. Éducation gratuite. Et enseignement gratuit. Quand un pays comme ça te donne ça, tu le dois. Je le retournerai à la monnaie à partir de l'année prochaine. Et aux médias, surtout à Adafo, merci. Et à tous les autres, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tijan. Merci à vous, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez tiré vraiment beaucoup d'enseignements en ce qui concerne Tijan World Music. Et bien, ça va se passer en 2023. Prenez soin de vous grâce à Georges Sultan ici à Montréal, à tous nos amis. Merci à vous tous. On se retrouve très bientôt pour d'autres numéros. À très vite sur Espace.